taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me. Bonsoir YouTube, bienvenue dans le nouvel épisode de Guang Legacy. Nous apprêtons à rendre la quête de Siona aux Trois Vallées, le grand de ses lettres érotiques. Et ensuite poursuivre notre aventure, mais avant ça, le look avant tout. Alfred Lollet n'est pas très bon. Il semble qu'il ait été cambriolé. Voilà. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu les rumeurs concernant votre implication. J'y suis pour rien. Bonjour Siona, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie Madame Sprottle des Orglup pour sa potion Wiganweld et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. J'ai lu des choses que King vous avait mis. Je vous Je me demandais ce qui figurait dans ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades. Semble. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Bulby ? Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. Ah oui ? Surtout en ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Oh, pour alors expérience. Pour de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. Oh, je la connais bien, hein. C'est un plaisir d'avoir. Moi, je m'adresse pas. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidée. Welcome. Et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Il était gardé par un troll quand même des trucs, donc c'était un peu chiant. Alors, lorsque ceci est fait, nous allons aller sur notre quête. La lignée de l'ombre. On va faire le cours d'astronomie. Ah, il faut que je m'habille en tant que premier de la classe. J'avais oublié. Allons-y. C'est inutile. Laisse-moi voir le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à... Ah oui. Me voilà qui arrive. Je suis l'aventure. Et toi, t'es l'hindou. Mesdemoiselles, professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation, t'arraches les yeux, tu les as saisis. Et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Ah oui, allons observer l'étoile. Ah, encore un petit truc qu'il va lui faire. Hein. Bonne. Vous n'avez pas assez haute. Pas de matériel. Non. Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Hein? Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je vais arranger ça pour non, toi. Non, non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. D'accord. Mise au point. Hein. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Habille-toi comme il faut. Les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Oui, madame. J'adore l'astronomie en plus, c'est parfait. Vous pouvez y aller. Bonjour, je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement. Je suis Amit, je suis un passionné d'astronomie. Salut Amit,
Amis de Tekkar. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. Non. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. C'est très généreux de ta part. Je peux pas accepter, voyons. Je peux pas accepter, Amit. Tu risques d'en avoir besoin. Mais non, j'en ai pas besoin. J'en ai un neuf. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. Bien entendu. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle... Je vais observer ma moon. La lentille est avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, merci, Amit. Oula, qu'est-ce qu'il est... Enfin, bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. De la lecture. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. J'ai de la lecture, j'ai vu de quel genre de lecture tu parles, hein? Ce genre de lecture, là. Matt, le boyau de... Aussi longtemps que je le pouvais avant d'aller observer les... Léandre. Parce que ça a changé. J'ai tellement froid que je n'arrive même pas à tenir le télescope. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Revelio. C'est son vieux télescope? Il a l'air pratiquement neuf. Incendio. Je savais même pas qu'il y avait ça ici, donc pourquoi je vais pas fouiller comme il faut. C'est la nuit parfaite. Tiens. J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui. Quoi? Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Ah, je savais qu'il y aurait une complication avec ce télescope. Non, non, je n'avais absolument pas l'intention de te soudoyer. Si. Mais ça t'intéresse? Moi, je peux bien t'aider avec ça. Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Ouais, ok. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? Oui. Oui, il y a une élève dehors de même. Let's go. La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant. La nuit, Revelio. Les joueurs de Bafboul sont vraiment des poltrons. De ce côté. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Oh. Ah, ici. Terrain de Quidditch. Ouais, pas comme si je le savais pas déjà là. Voilà, faut que je refasse le tour. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignées et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. Moi, je peux faire ça aussi, c'est vrai que l'objet... Je te donne des sorts que l'objet utilisé, c'est vrai. Incendio. Pas encore des toiles d'araignées. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? À ton avis? Non, pas aussi près de l'école, Amit. Je suis là. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste.
de la lire. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. I know. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref. Tout est dans la gorge. Notre aventure soit un succès. Voilà qui est fait. Maintenant, on a les quêtes d'astronomie. Bon. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe-tu, mon ami ? Vous parliez avec Ominis ? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. La magie noire m'intéresse. Je dois dire que la magie noire attise ma curiosité. Mais la magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Je comprends. Tu n'es pas obligé de m'en parler si tu n'en as pas envie. Si j'étais toi, je voudrais plus de détails. Non. J'avoue que j'aimerais en savoir plus. Et tu peux me faire confiance si tu veux me confier quelque chose. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris ? Doloris ? Non. C'est quoi, le sortilège Doloris ? On l'appelle le maléfice de torture, en Doloris. Il inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Ah. Selon Ominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Ominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Ominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Ok. J'expliquerai tout à Ominis. Il changera d'avis. Nous allons donc apprendre la technique de l'Andoloï. Bonjour, monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise ? On est quelques-unes. Dire, j'ai quelques lunes pour vous. Je vois ça. Mais rapportez-moi encore quelques lunes et je vous montrerai comment mieux lancer à l'Ohomora. Ok. Je vais tenter de trouver d'autres statues de demi-guise et de vous rapporter les lunes. Je vous félicite pour votre courage et votre bravoure. Surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit. Bon. C'est là-dessus qu'on se laisse YouTube, après avoir donné quelques moons à Monsieur Moon. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de la chaîne. Bye!